Bonjour à tous, c'est PTVFR. Cette fois-ci, on ne se retrouve pas sur un replay commenté, mais sur une partie live. C'est-à-dire qu'en fait, je vais record des 2-3 parties comme ça. Donc déjà là, je vais vous montrer en profiter pour vous montrer mon garage. Pas exceptionnel, exceptionnel, mais bon, il est pas mal quoi. C'est quand même du beau gros char, bien lourd, bien gras, on dit. Donc déjà l'IS3. Donc ça, belle bête. Voilà. Donc pour l'instant j'ai encore pas tout débloqué, donc vous voyez il reste encore beaucoup de choses à débloquer. Là je peux débloquer la dernière radio, mais bon je garde l'XP pour les derniers, le dernier canon et les moteurs et les chenilles. Donc là je me suis trompé dans le garage. L'IS que je garde parce que j'aime bien, il est marrant à jouer, il fait du bon dégât, il est C'est un bon char. Bon, le KVAS, pour l'instant, je n'ai plus l'équipage, mais ça risque de revenir parce que ça manque un peu de jouer avec ce char. Le MS1, donc ça, c'est le petit char. Vous voyez la différence de taille, hein, c'est. Je me demande comment ils font pour tenir à deux. Enfin, bref. Donc, ça, c'est juste pour me marrer, hein, une petite partie de temps en temps avec ce petit char, c'est fort sympathique. Le T32, gros char américain, de tir à 8. Donc pareil, hein, j'ai tout débloqué, j'ai plus qu'à débloquer pour le tier 9. On va se marrer dès que ce sera au tier 9. Le T29. Alors ce char, quand vous jouez avec, montrez juste votre canon, la tourelle et point barre. Protégez juste, voilà, le petit tourelleux là, quand vous êtes de face, mais là, ça c'est imperçable. Donc voilà, 279 de blindage, hein, vous pouvez y aller, vous êtes de face. Si vous avez bien sûr du gros char en face de vous, bon bah qui perd, je sais plus combien, mais vous risquez rien. Enfin, c'est des chars à peu près du même tiers. Si ce que vous risquez, c'est l'artillerie, puisque vous voyez un T29, T32, c'est qui fait pareil, hein, 298 de blindage, ça peut y aller. Mais dès que l'artillerie voit T32, T29, vous êtes tout de suite une cible prioritaire. Ensuite, bah, mon artillerie. Mon petit jouet. Très bonne artillerie. Le Stug of G. Ils ont sorti le Stug 3, je sais pas. Plus exactement lequel, que je dise pas de bêtises. Il est le Love V. Donc c'est celui-là qu'on voit souvent, bah, dans les films, tout ça, avec le canon court. C'est un bon char, c'est pareil, c'est un très très bon char, le Stug. Bonne cadence de tir, bonne pénétration. Le seul défaut, ça a pas de blindage, très peu de vie, 350 de vie, mais vous êtes bien planqué derrière les fourrés, vous n'êtes pas spoté, vous vous faites plaisir. Ensuite, ma baignoire. Je dis la baignoire parce que franchement, niveau design, au secours. Donc, en fait, c'est un châssis avec un canon de 88. Le fameux canon de 88 monté sur châssis. Enfin, ils auraient pu faire autre chose au niveau design, mais bon. Ensuite, donc ça c'est celui-là, donc ouais, comme je disais, c'est la baignoire, mais c'est pour monter le Nachrom. Et après, le char le plus cheaté au monde. Donc voilà la lignée, donc Monzer 4, SFL 4, le Nachrom, le SFL 5, le RHM, le Waffentrager 4 et le cheaté, le What the fuck E100. Alors ça, je peux vous dire que dès que vous avez ça, si vous êtes un très bon joueur, vous pouvez faire très très mal. Ensuite, mais de plus beau, le E100. Alors là, j'ai oublié de reculer parce que vu la masse que c'est, donc c'est quand même du mouse costaud. Donc, si vous voulez voir
en action, bah, regardez ma dernière vidéo. Avec surtout un épique moment avec un Moss, la petite souris. Alors, juste pour vous démontrer, hein, c'est. Plume. Hop là. Genre, il lui roule dessus sans le voir, quoi. Et ensuite, le E75, donc. Un petit peu plus petit, mais ça, c'est un plaisir. Ah oui, le petit à noter, oui, j'ai des camouflages. Que j'ai mis, que j'ai acheté. Enfin, c'est. C'est assez marrant, c'est son. Je les trouve pas mal. Donc là, bon, bah, on va commencer une petite partie. Donc, on va lancer un petit peu, tu vois, bah. Tenez, tiens, on va se faire lancer sur un petit T29. Donc, voilà, j'ai plus rien à rechercher dessus. J'ai juste à monter mes équipages pour les futurs chars. Puisque l'entraînement est accéléré, il a tout débloqué. Donc, pour vous dire, hein, ça fait seulement 3-4 partie que je refais avec l'équipage là, donc ils étaient à 50%, donc voilà, ils sont déjà à 80 facilement. Donc on lance, on espère qu'on va tomber sur une bonne partie. Par moment c'est long, par moment c'est pas trop long. Ah bah c'est pas trop long cette fois-ci. Alors Redshire, voilà, donc au tiers, petite chance de victoire de 41%, ça fait mal. En face, oh, il y a du bon petit char, il y a du bon petit char, KV1S, Panther, l'AR 44, pardon, la 44. Donc, on va voir comment ça va se passer. Donc là, je vais partir en C9. Oui, on va partir par là. Avec ma tourelle, ça risque d'être tranquille. On va voir comment se déployer les Allô, autres. Carlier, ici Pithiviers. Ça y est, on y est. Le petit Atelier. Déjà, la nièce qui vient avec moi. Un KV1. C'est tout? Ah, KV2. Ouf. Ça arrive de leur faire tout bizarre. La T8, je pense qu'il va se mettre dans les alentours là. Histoire de nous appuyer. Je suis tranquillement l'IS, yes. On va voir. C'est du lourd ou rien. La T8, ouais, c'est bien ce que je disais, il va peut-être essayer de nous appuyer, j'espère. C'est pas trop un mauvais joueur ou rouge, tomato. En même temps j'aime bien le ketchup. Mais... Dans des parties sur World of Tanks, mettre en rouge, c'est pas souvent très bien. Ah, s'il y a quand même un peu plus de monde, il y a. T34, le type T34 est le chinois. Oh, j'ai pas vu, tu les vois. Voilà, je regarde ce qui se passe derrière, je vois pas ce qui se passe devant. Vas-y, il y en a un qui rage. C'est pas le siège. En même temps, s'il a été faire suicide scout, c'est ce que j'appelle ça. Le mec il va voir tout le monde, l'équipe ennemie, et boum. Je meurs comme un abruti. Ah, le MiG-12 qui essaie de me faire l'arrière. Pas tout très bien compris parce que je vais pas bien. Oh là là. Alors le problème d'avoir des chars. Un tireur un petit peu catastrophique, c'est ça. Un petit peu. Là. Là. Magnifique, yes. Je vais me servir de ça qui me casse. Coucou mon petit, on va jouer. Amène-toi. Voilà. Ça, c'était sûr, ça passait pas. J'ai un peu étonné. J'ai rechargé. Tir en moins. À noter, j'ai pas 6ème plan parce que l'équipage est 9. Je ne sais pas si je suis repéré ou pas. Oh. Un petit peu pas yes. Deux flancs, c'est parfait. On va prendre la tourelle encore un petit peu. Voilà, ça passe tout seul.
plan de tourelle. Et recule. Comme ça, maintenant on a envie de le tir. Voilà. Ah non, le KV2. Non, non, ça c'est pas des gens le KV2. Au moment où j'avais. Voilà. Il lui reste très peu de points de vie. Oh, joli. Alors là, le KV2, ça a dû pander au nez. Ça a dû pander au nez. C'est prendre un shoot allié. Ça a dû pander les nez. Oui. Joli, le KV1. Quel canon il a? Il doit avoir le dernier canon parce que. Qui a tiré. Waouh, j'ai vu un homme me raser la moustache. J'ai bien de savoir qui c'est qui m'a shooté. Ah, LCX. Quasiment full life. Bon, on va essayer de caper un peu la base. J'allais voir le panthère. Le panthère avance un petit peu. Non, je vois pas. Logiquement, il a pas voulu avancer. Si le voilà là, on va venir de mire. Et hop, je l'ai mis en feu. J'étais au bout de mon revolver. J'appelle à l'aide. On se plie. Là, pour l'instant, le... ça chie un peu. Excusez-moi le terme, mais bon, ça pue. J'espère juste que notre ami, c'est qui, le KV1, va me spot le panthère, histoire que. Ce qui se passe pour l'instant, le tigre P, il va mourir dans d'atroces souffrances. En cap pas, le panthère est juste là. Voilà, voilà, le panthère revient, c'était sûr. Bon, voilà. Parce qu'il va me plus m'ennuyer, puisque là pour l'instant le KV2 oh là, oh le fail de tir, oh la souris qui est, voilà, ça c'est quand même bien. Tu mon pilote toi, ça je supporte pas. Et la grosse clé anglaise qui est au fond de la boîte à outils dans la dépanneuse. Ce serait nickel que le KV2 aille s'occuper du. Est-ce que j'en ai marre? Puis alors, voilà, ça, ça est. Pris entre deux feux. Je vais pas me suivre. On va voir ce que fait notre KV2, mais bon. Ouais, j'étais sûr. En plus de ça, il y a le type 58 qui est en train de caper. Voilà, donc une partie merdique, excusez-moi le terme. Donc là. Ouais, GG. Si le mec n'était pas mort bêtement et salement. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai gagné? Voilà, 20 000, je gagne 20 000 en tout, mais alors, sans compter les réparations bien sûr. Ouais, 1261 de dégâts. Voilà. Réparation. Les consommables, les munitions. J'ai gagné que 2000. Waouh. En sachant comme quoi j'étais quand même pas loin de 4 millions et quelques. Mais j'ai acheté l'IS-3 il y a pas longtemps. Bon, allez, on va prendre même un peu plus lourd. Hein, parce que. Les 29 n'a rien apporté. Décidément, 42% de chance de victoire.
Beaucoup d'IS-3. MX-50-100. Oh, c'est bizarre, ils sont pas en platoon. Parce que ça aime être souvent en duo. Je me tâte, je me tâte, je me tâte, je me tâte vraiment. Est-ce que je vais aller vers la ville en sachant avec ma tourelle les embêter? Mais bon, il y a l'artillerie, ça m'ennuie un peu. Allez, on l'attente. Allez, on fout. Pressant, pressant. Et si un Parce que convoi si allemand je vais aller arrive, de pendant ce qu'on est de l'autre côté-là, je côté, vais être pris de vous revenez. flanc. Je ferai Et beaucoup de mal. ma caisse va être Un fusil découverte. mitrailleur contre un convoi, non, ce sera juste. Voilà. Le chef, il sait pas s'en servir. Un gars qui essaie de recruter. Le WZ-131 qui va aller je sais où. On pique mon idée, c'est pas mal. Ça va, j'aurai peut-être un peu de soutien pour une fois, parce que rarement je passe par là, chaque fois je dors tout seul. Je pars du temps contre 2-3 chars. Là je peux me servir de tourelle. C'est-à-dire que je peux faire mal. Personne. Personne n'est spoté. Je me spot. Ah, je suis spoté. Voilà. J'ai un obus qui vient de me frôler une tâche. Ah, un centurion. Ouais, bon jeu. Possibilité de chute. Alors là, ce que je fais n'est pas très intelligent. Mais on avance. Regarde ce que j'ai fait à ma godasse en me cassant la gueule. Alors là, il a tapé pile poil là où il fallait, pile dans le pilote. Non, à moins de jouer. C'est mon trouvé. Caisse. Alors l'IS-6. L'artillerie, bonjour. C'est pas si. Je viens de remarquer une chose, on est en train de perdre la base. Il va falloir que je fasse un petit demi-tour. Hop là. Mon Dieu. Mais non, je vais pas traverser comme ça, je vais me les lancer. Mais prenez pas comme ça, ça fait de la mousse. Mais où ils sont passés, chef? Ce que je craignais. Je voudrais que vous nous apportiez le marteau, les tenailles et la grosse clé anglaise qui est au fond de la boîte à outils dans la dépanneuse. J'ai rien compris, vous. J'étais au bout de mon revolver. J'appelle à l'aide. Ah, je me fais prendre de flanc, j'adore mais ça. Mais où ils sont passés, chef? Capitaine Dumont, rendez-vous avec On va m'expliquer comment ils ont fait pour encore passer tout sur la droite. Ouais, bon, on fait retour parce que on va en jouer sur un autre char. Hein. C'est pas la joie, c'est pas la joie. Ouais. Voilà, bip, l'IS-3, ouais, allez, on va se lancer sur l'IS-3, donc on reste à peu près dans le même tiers.
excusez-moi. Oh, bataille impromptue. Winberg en feu. Et comme par hasard, ça picote en face. Et puis il y a du gros, hein, du bon joueur. Ah, j'aime pas trop jouer de ce côté, mais bon. On va partir sur la droite. On va essayer de partir sur du E1, être ici, voir s'il n'y a pas de char dans cette zone-là. Le char inversé. Ils ont mis ces éléments de décor juste pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière moi? Jack Tiger, IS-8 et Stick. Ça va, bon gros lourd. Je vais de me faire bien plaisir. Bon, je vais prendre. Oh, IS-2 sur la gauche. T'arrêtes. Oh, j'ai un méchant IS-8 là-bas. Ok, bon. Ah, j'ai le Jai Tiger à côté de moi. Ça peut être un bon soutien. Ça. Bon, on va essayer. Sa tourelle en visuel. Ouh, ça passe à la gold, ça calme. J'ai Tiger qui a tiré, je le ravance. Voilà, tu recules. Charger de la normale. Pour ne pas trop être pompier. Quand même cher. Âme de Dieu. Allez, T26 E4, flanc de tourelle, ça passe toujours. Précision de ce canon, c'est une heure. Oh,
On commence un peu à prendre cher, moi je vous le dis. Ouais. Le Jai Tiger qui recharge à une rapidité incroyable. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils sont en train de faire eux. Voilà, faudra quand même m'expliquer 2-3 petites choses. Alors l'IS, il a la ramasse complet, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il attend. Voilà, va pas aider tes collègues, t'as raison. Maintenant tu te retrouves seul face à du gros lourd. Ouais, joli, t'as touché la chenille, maintenant tu te retrouves seul. Objet 704. Voilà, en mode je me trimballe. Ah, quand même. Bon, l'IS-2 qui a le droit de... Ah non, toujours pas. Bon, l'IS... Pas de côté 54, je suis de petite mort rapide et... Voilà, c'est l'IS-8 qui l'a, en fourbe. Bon voilà, ça sent encore la défaite. C'est pas grave. En même temps, j'avais du tir 9 en face. Ça pique un peu, quoi. Bah allez, on va se faire taper aussi du tir 9. Allez, soyons fous. On va essayer d'augmenter un peu mon équipage. Plage sereine. Ouais, youpi. Oh, puis alors, les chances de victoire, je vous dis pas. Oh, 2,75 en passe. Un peloton de gros lourds bien moches. Bon, essayer de refaire la, comme la dernière fois, j'avais fait. Bon, ça m'étonnerait que ça repasse. Alors, j'étais passé par ici. Et j'avais tout le flanc des mecs ici. Les mecs, au bout d'un moment, ils ont même pas calé pendant 5-10 minutes. On l'a perdu, puis je me suis retrouvé seul face à. Oui, on repart. Un peu d'un petit guet. J'ai pas envie de t'esquinter. Comment va se dérouler l'action? Ne pas faire le couillon, déjà vu. Le mec qui vient par là, bleu. Ah, il y a 7, voilà. Je tape du gros moche. On dirait l'autre. J'ai encore de la chance. Bon, là, le mec derrière moi, il est mort. C'est que je devrais passer devant. Voilà, bonjour. Les tenais au bout de mon revolver. J'appelle à l'aide. Enseveli. Voyons comment je vais jouer. C'est tendu par ici. 75, qu'est-ce qu'il me fait? Avance un petit peu mon gars. Non, tu veux pas? Je vais le 254, parce que j'ai un manque de dessus. Non. Dit qu'il y en a un qui me shoot de côté, j'adore ça.
Tu veux bien avancer, mon gars. Le contrôle du GQG n'allait pas jusqu'à dire que c'était un plaisir d'en venir comme ça, mais presque. Ouais, je vous raconte pas, c'est pas facile. Oh là là. Ouais. Je suis pas réveillé aujourd'hui. Pas en forme. Bon, on va essayer de regagner un peu d'argent parce que je vois que je suis en train de chuter en mode démographie. Ouais, décidément, je prends l'artillerie pour m'avoir une pop à peu près artillerie, je me tape l'hiver de perles qui est une map non artillerie. Enfin bon, faut toujours tenter des shoots, mais je vous raconte pas comment ça va se compliquer. On m'a conseillé, un joueur très expérimenté au niveau artillerie m'a conseillé une artillerie, de monter les artilleries anglaises. Pour la bonne et simple raison que en fait elles ont un angle de tir. Pressons. Les cloches impressionnant. Qu'on est de l'autre côté. Vous revenez. Peut servir voilà avec le plus de respect là tous ces pichards anglais, les artilleries anglaises. On a un arc de cercle plus haut, donc c'est à dire que l'obus monte très haut et redescend en cloche quoi, vraiment tandis que l'artillerie allemande et autres font un tir assez courbe. Donc qui est très gênant pour les shoots. Et tout ce qui est montagne, les petits machins là, ces petites zones rocailleuses. C'est assez ennuyeux pour tout ce qui est artillerie, tout ça. Mais apparemment les Anglais n'ont pas ce problème. Donc à voir. Je tenterai, je verrai bien. J'en parlerai peut-être sur une prochaine vidéo. On verra bien. Bon, là, je vais soutenir par ici. Donc voilà ce que je vais vous montrer. Voilà, c'est ces petites machines. C'est, vous voyez, l'angle catastrophique. Genre là, il y a possibilité de. Oulala, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Voilà, donc, ce petit lag, génial. Quand je vise un char, j'adore ça. Voilà. Bonne chance pour le toucher. Ah. On va tenter celui-là. Hop, il recule, mais. Voilà. Précision catastrophique. Bienvenue dans l'artillerie. Puis en plus si ça bouge pas avec nous. Voilà, donc l'IS qui va me faire le. Voilà. J'ai pas d'angle. J'ai un angle catastrophique. On l'attente, allez. À la santé de la 7ème compagnie. Ça a touché. Voilà, c'est bizarre, j'ai quand même que des lags en artillerie. C'est quand même bizarre. Faudrait que je regarde ça, mais bon, je sais que j'ai une carte graphique qui est. Bon, si personne nous aide, on est dans la merde. Excusez-moi le terme, encore une fois. Mon Crusader, je vais me le faire lui parce que c'est le plus embêtant pour mon collègue. Voilà, avance. Voilà, merci, au revoir. Maintenant, je me retrouve seul sur cette zone. Je me barre. Si j'ai personne qui vient sur moi, avec moi, je suis dans le caca. C'est le terme. Bon, j'en ai quand même emporté un. C'est vrai que c'est bizarre, j'ai quand même des lags qu'en artillerie. C'est quand même impressionnant. C'est la première fois que je remarque ça. D'habitude, j'ai pas autant de lags. C'est impressionnant. Non, mais on s'est fait dépoussiérer quoi. C'est fait, mais
ratiboisé, excusez-moi le terme, mais il n'y a plus grand monde, quoi. Non mais sérieusement. C'est vrai que je regarde un peu là, mais... What? Mais what? Bon voilà, j'ai pas d'angle, comme par hasard, hein, j'ai pas le... le bon chat. Voilà. C'est quand même bizarre les lacs que j'ai. Donc là, bon, bah, je vous annonce une défaite, hein, puisque il ne restera plus que l'artillerie et un tigre P, qui est d'ailleurs quasiment mort. Donc j'ai tenté un truc. Ah, joli, voilà. Alors ce que je vous ai dit, moi j'avais pas l'angle, et lui, bim, il l'a. Oups. Voilà mes copains. Est-ce que j'en ai marre de ce mec-là? Est-ce que j'en ai marre, hein? On va le tenter, hein. Deux. Mais où ils sont passés, chef? Ah, Voilà. Seul avec... du gros lourd, du gros moche. Voilà, ça capte la base, allez-y. J'ai eu le temps de reload. Allez, mon petit. Oh, bah. En même temps, l'eau qui arrive. Et l'autre qui pleure, ni installe. Ouais, d'accord. À ma plage sereine, on l'a gagné. Alors là, ça me surprend. Mais bon, je suis encore déficitaire, quoi. Pour pas changer. Là, j'ai gagné 10 000. Bon, ça, j'ai resté un petit peu en artillerie. Donc, pour ceux qui aiment pas trop l'artillerie, bon, bah, désolé. J'essaie de comprendre. Ah, voilà, falaise. Enfin, une map à peu près arty. Mais bon. Non, mais sérieusement. Sincèrement, 43% de chance de victoire. C'est pas ma journée. Non, je recorde pour la première fois en live, mais c'est vraiment pas ma journée. Je sens que... il va y avoir plus de défaites que de victoires aujourd'hui. Hein. Bon, je pense que même ça va être la dernière partie avant de vous laisser. J'espère vous laisser sur une victoire, malgré que le peu de chance qu'on ait. On va bien voir. Auprès de ma blonde, qui fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qui fait bon dormir. Dans les jardins de mon père, les lauriers sont fleuris. Dans les jardins de mon père, les lauriers sont fleuris. Voilà, je vous ai laissé profiter du petit chant de la 7ème. Donc oui, j'ai un petit paxon qui va bien avec le nom. En même temps, hein. Pourquoi je m'en plaindrais? Alors, je vais vous dire un truc. C'est ce que j'appelle un train de lemmings. Voilà, le Chito va suivre le VK. Ah, il y en a un qui se détache, la RL44. Qui a enfin compris comme quoi que... Ah, voilà. Une petite cible. Ah bah, en face, c'est pas été mieux, hein. Les lemmings... C'est Lemmings Day aujourd'hui. Bon. Alors, voyons. Alors, voyons lequel de ces messieurs va s'arrêter et être gentiment dans mon viseur. Bon, déjà pas lui, j'ai pas l'angle. Dommage. Ah, l'IS peut-être? Oui. L'IS qui est gentiment calé. En mode... tu crois que je t'ai pas vu? Oh, ou peut-être le VK. Voilà, le VK qui avance gentiment. Allez, on tente. Grand coup de chance de sa part. Bon, on va entendre reload, donc je vais l'annoncer. Voilà, 20 secondes de reload encore. Le M12 qui s'est fait le plus gros de chez nous. Normal. Le KVRS. Oh, il est bien placé, lui, pour s'en prendre une. Oh, il va mourir avant que j'ai eu le temps de shoot, je pense. Voilà.
Oh, t'es 29. Alors là, voilà ce que je vous disais. Une petite cible. Opportunité. Oh bah, oh, l'angle pourrave. Et c'est impressionnant. Ah, ça part de partout, ça tire de partout. Et ça meurt de notre côté, que de notre côté, quoi. C'est... Et c'est le tigre, hein, là, qui fait un petit massacre en jeu de qui, là. Tu peux le calmer, on va voir. Alors, le fil vert sur le fil rouge sur le bouton. Eh, je vais pas vous laisser sur une défaite, quoi. Impressionnant. Impressionnant. Là, je peux vous dire que là, je suis vraiment... Mais c'était aujourd'hui, mais pas en forme. Le jeu a décidé vraiment depuis 2-3 jours de me mettre que des défaites. Alors, yes, il est tentant. On va le tenter. Ah là, quand même. Mais bon, ça ne servait à rien puisqu'on va perdre quand même, hein, étant donné que. Ah. Oh là, l'angle. Mais l'angle. Je peux vous dire que l'angle est catastrophique. On va tenter. Vous vous éloignez de ah bah, ça a touché. Ça vous est éparpillé. On va peut-être lui décider de se reculer un petit peu la tronche. Ah, il était 69. Ah, voilà. Ça, c'est bien ça. Ça, j'adore. Les mecs, ils ont pas compris le principe de la couverture. Alors j'ai essayé de le soutenir. Je vais faire un truc avant de faire une bêtise. Allez hop. Je t'ai vengé mon petit gars. Enfin. Voilà, je suis seul. J'adore ça. En même temps. Hein. On va essayer d'en remporter un avant de mourir bêtement. J'aurais peut-être le temps de reloader pour en avoir un. Voilà. Pff, pas trop lourd. On va laisser monter. Ça va bien. Est-ce que j'en ai marre de ce mec-là? Est-ce que j'en ai marre, hein? Les... Voilà. Il me repère. Je suis derrière un fourré. Il me repère. Alors, faudra quand même m'expliquer que le proxy spot de 50 mètres, ok. Mais là, à ce niveau-là, enfin bref. Je ferai aucun commentaire. Il y a des choses un peu bizarres dans tout ça. Bon, allez, on va essayer de lancer quand même une victoire. Voilà, je vous fais un petit plaisir. Allez. Je vous montre le Stuk 3. C'est la dernière. On va essayer de la gagner. Mais bon, apparemment, vu la journée que c'est, ben... On est parti pour la perdre. Allez, step. Step, attention. Ouais, 43% de chance de victoire. Je vous le dis, c'est pas ma journée. Aujourd'hui, j'ai décidé de record. Bim, le jeu me troll. Saut en bataille impromptue. Enfin, on va la tenter, hein, mais bon. Je vais vous dire que... C'est mal parti. Allez, on y croit. On y croit. Brûlez une cierge en même temps, si vous voulez, les gens. Pour moi. Alors comme ça, ce sera gentil. C'est toi qui serais Attila. Et les deux dégénérés qui t'accompagnent. Le chinois, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, aussi. Tu m'as vu. C'est voilà. Avec mes laissés de conserver les forces. C'est pas passé, je suis un... Sonic. Je fais un petit char. On va essayer, hein. Je dis pas comme quoi que je vais la gagner, ni quoi que ce soit, mais bon, on va essayer déjà d'en emporter un ou deux vers la tombe. Ce serait marrant. Alors pareil, je n'ai plus sixième sens, puisque... Bon,
quoi, Noob, t'es... Ah, d'accord, le T49 qui a déjà pris des... Enfin, sans commentaire, on va dire, encore une fois de plus. Ça, c'est pareil, ça, c'est des trucs... Oh, bah, t'es beau, toi, le Zer. Tu peux ravancer. Tu peux refaire le gentil. Distance de... J'en ai pas. J'ai pas de distance. Tiens donc. Est-ce que je peux avoir un petit temps? Oui. Ça c'est gentil ça mon petit gars. Le Hetzer qui s'est repointé du dos. Ah, j'ai pas d'angle. Un Matilda. Oh. Oh bah d'accord. Alors là, niveau tir, ça va encore pas la journée. Voilà. Ah, ça recule. Ah, donc on en attaque l'autre. Voilà, bim. Y a un moyen pour qu'il puisse plus publier. On va déjà à deux. Enfin, pour qu'il y en ait moins. Le T49. Ah. Tant le viser. Ah, y a un petit stug là, mais... On a déjà perdu le côté gauche. C'est pour vous dire comme quoi que c'est vraiment pas ma journée. Et en plus ils sont en train de caper la base. C'est pour vous dire comme quoi que aujourd'hui. Niveau journée catastrophe, je fais faux. Et ça meurt comme des. Ah, je peux vous dire que il y a des jours, hein, c'est. Il y a des jours où vous pouvez faire des matchs mais impressionnants, des parties de dingue. Et d'autres jours. Oh purée, alors ça c'est le problème des châssis verrouillés. Si lui me continue à me présenter. On l'a tenté, mais bon, je savais très bien que ça allait pas passer, il allait plus rapide. T28 qui va mourir. C'est pour vous dire comme quoi que vraiment des moments là je vais pas y aller puisque je sais très bien comme quoi je vais attendre que ça meurt péniblement. Voilà, c'est mort. J'ai le T49 qui m'arrive dessus. Je vais shooter ce qui est en face de moi. Donc voilà, bah c'était la dernière, donc c'est pour vous dire comme quoi que voilà, je fais en plus le maximum de dégâts de l'équipe. Sans commentaire sur le T28 et le T49 qui ont rien fait du tout, qui sont morts inutilement. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est, bah. Moi je vous dis à la prochaine et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. En espérant que les prochaines vidéos, il y aura un peu plus de victoires. Allez, bah sur ce, je vous dis à la prochaine et puis n'oubliez pas le petit pouce et puis le petit commentaire.